Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Donc là, je vais vous faire l'analyse de Decred. DCR face à l'USDT. DCR, son code, face à l'USDT. Là, j'ai pris graphe de Binance. OK? Donc là, j'ai une hausse. Ici, j'ai une zone ici, juillet 2020, octobre, novembre. Novembre, une hausse verticale. D'accord? Un petit arrêt ici. Et après une hausse. Arrivé ici, j'ai un BCARST saut. Donc on est sur le saut. Ici, j'avais une début de zone d'accumulation. SC. D'accord. Petite mèche qui a pris SC. D'accord. On pourra dire ici, je pense, peut-être le SC, au lieu d'être là, il est là. Donc SCARST. Et là, on est sur STB. SC a été pris, cette liquidité a été prise par STB. D'accord, nous sommes sur STB. Est-ce que va-t-il faire le spring? À voir. La zone de demande que je cherche moi, personnellement, elle est ici. D'accord, entre 45 et 59. Je veux voir sa réaction ici. Est-ce qu'il va me prendre la liquidité? Descendre en bas. J'ai tracé mon Fibonacci par rapport à cette Fibonacci continuité par rapport à cette descente et ce retracement qui est au 29,90. Donc 29,90, j'ai cette zone-là. Ensuite, j'ai 17,5 et donc dans cette zone-là, et en-dessus, j'ai en dessous de 0. Donc pour moi, le 1,618 est un peu trop loin. Donc objectif, aller chercher déjà cette zone-là. Ce serait intéressant d'aller chercher cette zone-là. Si on prend juste hop, le retracement de continuité sur juste cette baisse. Et cette baisse, j'ai le 2,618, on est venu pile poil aller le chercher. Donc on est ici pile poil aller chercher le 2,618 sur cette baisse. Au niveau du fibo de retracement, nous avons retracé pour l'instant au 78,6, si vous remarquez bien ici, presque 78,6. Et le 88,6, elle est là, donc la zone 58,2, 33,9. D'accord? Ici, on a une réaction haussière. Donc ici, réaction haussière. Qui est venu prendre l'argent ici. On a pris l'argent ici. Et on est venu ici redescendre. Donc, je l'observe. Pour pouvoir voir s'il y a quelque chose à faire dessus. 260, ce qui m'intéresserait donc au niveau fondamental. Donc, on va regarder d'abord en H1 d'abord. On va regarder la dernière partie en H1. En H1, voici la descente ici et la grosse réaction haussière. Donc, l'intention de vouloir remonter avec une prise de liquidité ici sur ces niveaux-là. Donc, vous voyez ici, il est venu prendre la liquidité sur ces niveaux-là. À ce niveau-là, on est passé bien sûr la zone des 50 est ici. Donc, on est en full discount. Donc, on est en discount. D'accord. Il a fait une grosse hausse et derrière, un retracement direct. Donc, hausse, réaction haussière. Prise également, à mon avis, par de gros volumes. Vous voyez ce volume qui est super important. Donc, il n'y avait rien. Et d'un coup, bim, un super gros volume qui a apparu. Ici, la date, c'est le 19 décembre à 19h. Donc, je l'observais, j'ai vu cette hausse, cette attention de marché. Donc, on a de gros volumes qui commencent à rentrer dessus. Donc, c'est pour ça que j'attire votre attention dessus. Si cela vous intéresse, bien sûr, ça reste un actif un peu cher, c'est normal. Ah, il est monté jusqu'à 249$ et là, en ce moment, il est à 69$. Ok, en ce qui concerne le Fonda, donc ici le Fonda, si on va sous décréter DCR, son code, là, il est à 68,90, son plus bas bien sûr, si on regarde bien, il est à 0,43 en 2016, 26 décembre 2016, donc il y a presque 5 ans, et son plus haut est à $247 le 17 avril 2021. Le nombre de jetons, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jetons. 21 millions uniquement, comme le Bitcoin. 21 millions. Ok. Également, offre en circulation, il y en a 13 millions. D'accord. Offre totale. Et l'offre de la blockchain, plus jetons brûlés. Ok. Donc ensuite ici, nous avons le market cap qui est de 940 millions. Donc il y a de la marge. Volume d'échange, 93 millions par 24 heures. Négocié en 24 heures, sur 24 heures. Ranking 110. Ok, également après, vous pouvez aller ici, signer ici sur
l'explorer des créés avec les blocs et tout ça. Après, je vous laisse regarder ça. Je vais pas trop tout vous détailler quand même. Ensuite, là, vous avez ici le projet, le journal de Decred. Journal novembre 2021. Et là, vous avez ici le temps fort de novembre. Une proposition visant à modifier la distribution récompense de blocs des mineurs obtiennent pas sur plus petite a été publiée, discutée et maintenant été approuvée. La communauté a finalisé une proposition de sensibilisation après qu'elle a été rejetée par Polytiet. Donc après, ça, je vous laisse regarder. Au pays, c'est le Mediac.com. C'est Mediac.com de Decred. Ici, qu'est-ce que c'est Decred? Donc vous pouvez regarder, c'est une crypto basée sur la blockchain qui met fortement l'accent sur la contribution de la communauté et la gouvernance ouverte. Donc c'est les détenteurs de jetons, d'accord? De la communauté qui intervient sur les décisions du projet et le financement durable du développement. D'accord? Ils utilisent deux systèmes, d'accord? Le proof of work comme Bitcoin et le proof of stake, donc en stakant le produit pour consolider son cours, pour garantir un petit groupe ne pas dominer le flux de la transaction. Comme ça, le flux de la transaction n'est pas détenu par un petit groupe. Ou apporter les modifications directes sans la contribution de la communauté. Unité de la devise est appelée un décret DCR. Comment ça marche? Je vous laisse après lire la gouvernance et tout ça. D'accord? La blockchain Decred est similaire à celle du Bitcoin, mais avec des aspects majeurs de la gouvernance intégrée au protocole. D'accord? Je vous laisse après regarder, aller chercher. Vous avez ici, si vous voulez avoir plus de détails. D'accord, gérer la communauté réserve la valeur suprême. Donc là, vous avez leur site, decred.org. Vous aurez ici plus d'informations avec une nouvelle version. Leur portefeuille également. Donc le développement est très bien fait. Ok, après je vous laisse. Vous l'avez en version FR, bien sûr. D'accord. Voilà pour Decred au niveau technique. Donc vous l'avez au niveau technique. On a une bonne correction ici. Il peut aller chercher la zone ici. Que je vous ai mis ici entre 78,6 et 88,6. Donc, dans cette zone-là, les 42,4 et 71,1. Donc, on est déjà sous les 71,1. Ok, voilà sur ce. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais que la performance pour l'instant, si on va chercher juste la TH, est de 264%. Si on le prend aujourd'hui, si on va chercher un peu plus bas ici dans la zone-là, on aura du 340, voire un peu plus bas ici. Du fois 450, 470, si on va chercher ici cette zone-là. Ok? Voilà, entre le 78,6 et le 88,6. Sur ce, bisous à tous, bonne journée à tous. Et voilà pour ce projet-là que je ne vous ai jamais analysé et que je vous partage. Sur ce, prenez soin de vous. Salut à tous.